Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiéval. Aujourd'hui, j'ai sélectionné la super quête du sorcier maléfique. Les sorciers sont des individus très étranges. On ne sait jamais s'ils vont transformer un lapin en bouquet de fleurs ou s'ils vont ordonner à un royaume de se soulever comme un seul Sim contre son souverain. Shabit a subi l'offensive d'un sorcier de cette deuxième catégorie. Un être cruel qui a tenté de détruire le royaume tout entier. Quelqu'un se devait de le défier. Et nous allons le choix entre anéantir le sorcier, mais comme je n'ai pas de forgeron, je ne peux pas le faire. Alors on va sauver le sorcier avec un prêtre. La population tout entière était dans la tourmente. Si un fidèle partisan de l'observateur pouvait sauver les âmes des citoyens possédés, le sorcier pourrait peut-être être sauvé de la même manière. Nous allons donc partir avec Beric, le prieur, prêtre de Péterien de niveau 7. Notre collaboration avec l'observateur mènera le sorcier à sa perte. Et normalement, nous allons contribuer avec Mélissandre, la sorcière, pour rendre ce sorcier déjà plus sympathique. Quoi. On va le convertir, il sera tout gentil. Ma magie sauvera le peuple. Allez, c'est y part. Ouh, l'illustration, elle est trop belle! L'infâme Malus commence à rassembler des Sims pour constituer une armée avec laquelle il saccagera les terres. Grâce à un sort de possession démoniaque, il prend le contrôle des habitants de Shabit qu'il transforme en guerriers maléfiques, destinés à grossir les rangs de son armée. L'illustration, elle est absolument magnifique. Waouh! Celle-là aussi, hein. Les Sims soumis à la magie de Malus sont de plus en plus nombreux chaque jour et l'armée maléfique ne cesse de grandir. Les héros du royaume doivent trouver un moyen de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Oh là là, ça me fait penser à un White Walkers de Game of Thrones, hein, franchement. C'est carrément ça, quoi. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'il fait? Le peuple de Shabit doit surmonter cette crise. Je vais leur montrer qu'avoir foi en l'observateur les aidera à faire face. Et si c'est... Ah, c'est un infirmier. Ah, il faudrait aussi qu'on crée un médecin, hein, prochainement, peut-être. Alors, convertir 3 nouveaux pétériens. Tu vas convertir à la religion. Voilà, Beric le prieur. Voilà. Beric le prieur, merci de m'avoir permis de trouver un peu de réconfort par ces temps difficiles. Il me fait flipper avec son masque et tout, là. Non, ça n'a pas envie. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons personne chez nous. L'énergie est faible. On va aller dormir. On va aller dormir. On va commencer la truc comme ça. On ira convertir d'autres personnes plus tard. Alors que notre petite sorcière, qu'est-ce que... T'es pas chez toi? On est chez elle. C'est chez toi, ça? Mais non, c'est pas chez elle. Ah, je me disais bien aussi qu'on n'est pas chez elle, elle est dans une tour. Je sais pas chez qui on était, mais tu vas aussi te mettre en forme, hein, ma belle. Ouais, non, t'as un peu faim et l'énergie est bien. Tu vas faire à manger. Pain d'orge, allez. Tu vas prendre une assiette. Et tu vas être couché. Voilà. Comme ça, vous serez tous les deux en forme, mes petits Sims du jour. Ah, alors. Oh, nous avons cessé. Nous allons prêtresse. Elle est déjà... et toi? Toi, tu vas avoir la faveur de l'observateur. Allez. Voilà. Toi, est-ce que tu es... oui. Toi. Non, toi, bon, ça sert à rien. Les enfants, on peut rien faire avec eux. Il a faim. Oh, il a faim, Beric. Donc, Beric, il va manger une soupe de truite. T'aurais pu dormir jusqu'au bout, mon petit. Hein. Aegon est chevaleresque, oui. Certes. Allez, vas-y. Tu peux te réveiller. Ok, lui il est déjà de toute façon... Alors, oh mais l'église elle est bien remplie. Oh mais il y a de la dame ici, attention. Convertir à la religion pétérienne. Et c'est quoi son nom? Nominoé, c'est gentil ondeline.
Voilà, on va les convertir et ça nous fera avancer dans la quête. Voilà, ça c'est fait. Alors, désormais, et quoi qu'il m'arrive, je saurai que j'ai une vie juste et belle. Merci, Béric et Brieur. Béric et Brieur, votre humble puissance m'a aidé à trouver la force d'affronter mes peurs. Ne faiblissons pas et le sorcier ne nous vaincra pas. Regardez, j'ai préparé une bénédiction qui éloignera les esprits magnifiques de nos puits et protégera nos réserves d'eau potable. Un pigeon voyageur s'est posé sur l'épaule de Mélissandre, la sorcière, pour lui remettre une note portant le sceau royal de la châtelaine Charléris l'illustre. La note disait: comme vous le savez sûrement déjà, Chabit est assiégé par l'infâme Malus. L'Église fait tout ce qu'elle peut pour venir en aide au peuple, mais j'ai bien peur que la religion seule ne puisse rien contre Malus. Mieux que quiconque dans ce royaume, vous connaissez les démons. Vous devez trouver un moyen de mettre fin aux possessions démoniaques avant qu'il ne soit trop tard. Ouh là là. Alors, toi, tu dois repousser les esprits maléfiques du puits. Ouais. Et elle va apparemment chez à faire des recherches. Et ouais, j'allais dire, ça arrête de tourner, mais c'est moi qui faisais tourner. C'est pas grave. Alors, repousser les esprits maléfiques et toi, fouiller les archives d'informations. Ok. Donc, tu vas fouiller vos archives à la recherche d'informations sur la possession démoniaque. Voilà. Bien que le prieur a réussi à sacrer le puits, que l'observateur nous protège et nous ouvre la voie dans cette épreuve. Envoyez-moi un signe et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour satisfaire votre volonté. Attirer 3 seaux d'eau. Super. Ah, voici un sort qui exorcisera toute âme possédée. Il me paraît plutôt simple à maîtriser, mais apparemment les démons pourront y résister si un prêtre ne me récite pas une bénédiction spécifique. Mais chaque chose en son temps, je vais d'abord commencer par mémoriser ce sort. Ok. Mémoriser le sort exorcisé. On va donc aller voir ça. C'est ici, je crois. Étudier le sort. Exorciser. Lumière, énergie, force. Lumière. Non, alors déjà. Lumière. Lumière. Énergie. Force. Ok. Alors lui, il a retiré un seau d'eau. C'est très intéressant. Mélissandre, sorcière, a réussi à mémoriser. Parfait. Je suis prêt à lancer le sort, mais quelle bénédiction me faut-il pour que tout fonctionne sans accroc? Il va falloir que je vérifie une nouvelle fois dans mes archives. Oh, t'es relou, hein. C'était pas comme si t'avais une mini-tour, hein. Alors, étudier la béni... Alors, lui a retiré 3 seaux d'eau. Mais il a que ça à foutre. Mais arrête, mec! Je sais pas, moi. Fais quelque chose. Lire. Ouais, vas-y. Pour que la bénédiction soit possible, il faut fabriquer 3 pierres spirituelles purifiées à l'aide de pierres spirituelles classiques et d'une étoile bleue. Le sort exorcisé va ensuite séparer les pierres spirituelles des individus sans tenir compte de leur état. J'ai la conviction qu'il ne fera aucun mal aux anciennes. Il me suffit simplement de trouver 3 cimes sur lesquelles tenter le sort. Alors, rassembler 3 pierres spirituelles à l'aide du sort exorcisé. Waouh! Qu'est-ce que c'est une pierre spirituelle? Oh là là, je pense que ça va être compliqué. Ça, c'est nos âmes. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Hein. Alors, est-ce que c'est ça? Pierre de mana. Mais pierre spirituelle. C'est quoi une pierre spirituelle? Je sens que ça va être compliqué. Je sens que ça va être la galère pour. Alors tu dois faire quoi toi? Préparer et livrer un grog mystique et récolter 5 fois plantes et herbes. Ok. Bon, de toute façon, on a un autre jardin ici, donc tu vas pouvoir. Viens là. Et mais arrête de tirer des seaux d'eau, Béric, c'est pas possible. Et l'étoile bleue, hein, l'étoile bleue, c'est ici. Elle a fait un truc. Putain, mais il va épuiser le seau d'eau, ce débile. Enfin, le puits. Hop. Hop. Ok, tu dois regarder à l'intérieur. Mais on est chez qui? C'est pas là que je voulais regarder. C'est pas là que je voulais regarder. Mais,
C'est chez toi ici. Ouais, c'est ça. Tu vas préparer un objet. C'est quoi déjà? J'ai oublié. Grog mystique. Grog mystique qui me manque au du puits. Non, mais c'est l'autre qui a tout pris. C'est Perry qui a pris toute l'eau, toute l'eau du puits, donc forcément. Tu vas puiser de l'eau. Jeter un sort. Très. C'est bon? Eau de puits sacrée. Ah ouais, elle est jaune maintenant. On dirait du pipi, mais bon, si ça vous va, à vous. Bon, voilà. Elle va déjà faire son grog mystique, là. Au moins, ça c'est fait. Et après, on reprendra le cours de la quéquette. Alors, fabriquer un objet. Eau du puits. Ah, parce qu'elle est sacrée! Oh! Et ben tant pis, alors elle fera pas son truc, hein, si vous êtes si relou que ça, les Sims, là. Elle a faim! Oh, je me cache les couilles un peu, quand même. Hey, viens manger ton pain. Alors, il faut trouver toujours trois pierres spirituelles à l'aide du sort exorcisé. Ok? Ben, ouais, franchement, là, je sais pas. Donc, tu vas revenir sur la place du marché, là, je sais pas quoi. C'est où? C'est là. Eh, viens ici, on t'attend. Est-ce qu'on peut exorciser des gens? Jeter un sort. Non. Je sais pas. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il a, lui? Responsabilité. Ah mince! Écrire avec l'observateur. Bon, et rentre chez toi. On va s'occuper de toi en attendant. Eh, plus vite, Derrick, plus vite, plus vite, plus vite, tu vas perdre du temps là. Ok, tu vas écrire. Écrire, vas-y. Oh là 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 là, prier pendant 2 heures. Ah bah, c'est mort. Et en plus, il va manger. Non mais, nanar, va, c'est toi. Non mais. C'est pas vrai. C'est pas possible. Oui, je sais, il a négligé. Oh là là! Mais pourquoi il m'a fait un zoom? Elle est où ton assiette? On va refaire à manger. Bah oui, mais c'est pas possible. Allez, va te coucher. Elle aussi. Ah oh, mais oui, bah tant pis, ton grog mystique, ça marche pas. Bah, elle est partie dormir. Bon, bah moi je vais aller voir comment on fait pour trouver des. Comment ça s'appelle? Des pierres spirituelles à l'aide du sort exorcisé. Je vous retrouve juste après. Bon, alors, elle se réveille. Oh, j'avais oublié ça. C'est super sympa. Elle a faim, faim. Tu vas manger. Tu vas prendre une assiette de pain, pain. Vu que tu as faim, faim. Tiens, tu vas te prendre un bain. Apparemment, il faut juste exorciser, enfin, faire le sort sur. J'ai pas l'impression qu'elle l'avait, hein. Préparer le sort. Bon, je vais le faire. Étudier les sorts. Exorciser. Ben non, c'est bon, il a déjà mémorisé. Donc, suffit juste qu'elle le fasse sur 3 personnes. Mais j'avais pas l'option, donc je sais pas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On va essayer de faire ça. Mais punaise. On va réussir. Hein. Moi, je vous dis. On va essayer quelque chose de. Sur la place. Toujours sur la place. Il se passe toujours. Ah! Jeter un sort. Ah! Ça y est. Parce qu'en fait, lui, il faut qu'il soit comme ça autour. Parce que, ouais, voilà. Parce que sinon, ça marche pas. Bah, c'est ça. J'avais pas l'opportunité. Je me sens bizarre, c'est comme si on avait rempli mon corps de glaçons mouvants. C'est étrange, je n'ai jamais. Ça brûle, ça brûle! Qu'ai-je donc pu faire pour mériter cela? Oh, ah ben merde alors.
Oh, on dirait que je suis allée un peu fort. Je ferais mieux de décamper d'ici avant qu'il ne se réveille. Enfin, si cela arrive, du moins, j'aurais réussi à récupérer les 3 pierres spirituelles purifiées d'un seul coup. Maintenant, je dois simplement m'assurer d'avoir aussi 3 étoiles bleues. Des étoiles bleues. Combien qu'elle en a sur elle? Oh, ça va, elle en a 10. Ok. Fabrique 3 prisonniers. Bon, allez, va, rentre chez toi. Bon, bah finalement, j'ai réussi sur un seul. Parce que, heureusement, parce que sinon il serait mouru le gars. Donc, bon, on va pas. Alors, tu vas fabriquer un objet. On va arriver à saison 1. Pierre spirituelle purifiée. On va voir, hein, cela, honnêtement. À fabriquer une pierre spirituelle purifiée. C'est bien! Ah oui, donc je dois le faire 3 fois, d'accord. On va y arriver. Hop! Hop! Et puis. Voilà! Voilà, j'ai les 3! Non? Mais. Il me valide pas. Parce que j'en ai fait une petite, c'est ça? Oh, me casser les burnes, hein. Pierre spirituelle. Allez. N'a pas réussi. Mais tu vas le faire, oui? Moi, je te le dis direct, hein. Ah, voilà, ça y est. J'ai suffisamment de pierres spirituelles pour Beric le prieur, pour que Beric le prieur réussisse sa bénédiction. Il est temps d'aller lui parler pour voir ce que nous pouvons faire pour empêcher le sorcier de continuer à transformer les habitants en guerriers de son armée maléfique. Donnez les pierres spirituelles purifiées. Ah, je sens qu'elle va être longue, cette quête. Je sais pas pourquoi. En plus, je galère un peu, donc bon, voilà quoi. Voilà, je connais la bénédiction avec laquelle vous faites allusion. C'est l'un des enseignements les plus obscurs que j'ai reçus durant ma formation. Je suis ravie de savoir qu'elle sera utilisée pour libérer notre peuple de la malédiction du sorcier maléfique. Alors, elle doit faire quoi? Obtenir la bénédiction sanctification spirituelle de la part de Beric le prieur. Alors, toi, tu vas dire, tu vas la bénir. Qu'est-ce que tu fais? Mais je t'ai dit de lui donner la bénédiction. Voilà. Je vous remercie, Beric le prieur. Quand j'aurai rassemblé et purifié leur âme, je reviendrai vous voir. Mais attendez, comment je suis censée les retrouver avant que la bénédiction ne fasse plus effet? Mélissande a été promue sorcière. Bravo, ma belle. Toi, tu dois localiser les âmes possédées par les prières. Et elle, l'utiliser sur le pillage. D'accord. Donc toi, tu dois juste prier, c'est ça? Localiser les âmes possédées. Ah! Et elle? Ne désespérons pas, l'observateur nous montrera la voie. Je vais prier pour que nous puissions retrouver les âmes possédées. L'observateur va localiser les âmes possédées pour nous. On peut déceler de la magie noire chez eux. Ah, sympa. Revenez me voir quand vous aurez besoin d'une nouvelle bénédiction, mais n'oubliez pas, il vous faudra 3 autres pierres spirituelles purifiées pour cela. Ah. Et donc, on les reconnaît comment? Alors, c'est pas dans l'amical, hein. Arrête de prier, mon petit. Et toi, on va se mettre en chasse. On va... Ah, oui, il y en a là. Jeter un sort exorcisé. Jeter un sort exorcisé. Vas-y. Vas-y, ma belle. On t'attend. On va sauver les âmes. Ah, mais ils sont tous au même endroit. Alors, ça y est? Ah, ça y est, il guérit. Mélissandre la sorcière, je vous remercie de m'avoir libérée. Le sorcier qui contrôle notre esprit est fou de rage que vous puissiez briser son sort. Je ressens sa colère envers sa magie. À travers sa magie. Soyez prudente. On va essayer. Et deuxième, que l'observateur nous bénisse. Je ne pensais pas redevenir libre un jour. S'il vous plaît, venez en aide aux autres avant qu'il ne soit trop tard. Oui, 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 oui. On y va.
Ah oui, il y a un toit. Je me sens beaucoup mieux, merci à beaucoup à vous. Je vais aller voir Béric le prieur sur le champ. Bon, elle est fatiguée. Il faut qu'elle paye ses impôts et faire des recherches pendant 2 heures. Fabriquer 3. Non, tu vas. Ok. On va d'ailleurs payer tes impôts tout de suite. 500! Mais punaise! Et tu vas rentrer à ta baraque. Allez, go! Je me sens faible tout à coup, la bénédiction ne fait plus effet. Il va falloir que Béric le prieur en récite une à nouveau si je veux pouvoir briser d'autres malédictions. Ouais, mais tu vas aller te faire un petit somme là, on va manger tout ça. C'est ce que tu vas faire, tu vas manger. Manger. Et là, ça va te requinquer. Tu vas aller faire une petite sieste. Une sieste. Voilà. Et après, tu vas faire des recherches. Je pense que c'est pas mal. Et toi, tu fais quoi? Oh, punaise! Accorder la faveur à quelqu'un. Oui. Faveur de l'observateur, voilà. Prier avec deux péteriens. Ok, très bien. Prier avec. Convertir. Et prier avec. Voilà. Ok. Ah bah tu vas prier directement avec lui parce que là. Voilà. Ok, c'est bon, il a fait ses responsabilités, elle. Tu dois dormir. Fais tes recherches. Allez, dépêche-toi. Bah oui, bah. Voilà, elle a loupé une responsabilité. Franchement, t'es chié. Tout ce que j'ai à dire. Descends encore. Et fabriquer un objet. Alors, pierre spirituelle purifiée. A réussi. Hop, on en refait une autre. Cette fois-ci, je lis bien ce qui est écrit. N'a pas réussi. Ok. Elle est fatiguée, on va aller la faire coucher. Ouais, minuit en même temps. Minuit et demi. Va dormir. Et toi là-bas. Hop, tu vas manger. Il me fait peur, lui. Johnny. Oh, Johnny. Oh, punaise, la tête qu'il a, il me fait peur, peur, peur. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, je veux que tu manges. Oh là là. Il est où? C'est bon, il mange. Ok, c'est bon. Ok. Tu peux lui dire de partir à lui ou pas? Va dormir. Gérer deux Sims en même temps, hein, c'est surtout aux Sims médiéval, vu qu'ils ne sont pas au même endroit, c'est un peu compliqué. Et qu'on voit pas ce qu'ils font et tout ça, donc c'est un peu chiant. Allez, un petit porridge aux graines pour se réveiller. Maintenant, tu vas pouvoir refaire tes trucs purifiés là. T'as aucune raison de pas le faire. Ah, il réussit, ok. Et encore une. A réussi à fabriquer. Youpi! Alors, donner des pierres spirituelles à Péric. Hop, allez, on est parti. Ils sont pas du tout à l'opposé de l'un de l'autre en plus pour cette mission, c'est génial. C'est pas du tout long le transport entre les deux. Ouais, des nouvelles responsabilités. Je vais vous préparer la bénédiction Mélissandre la sorcière. Alors, bénir Mélissandre. Hop! Voilà, accordez-moi un instant que je puisse localiser les âmes qui ont récemment succombé à une malédiction. Hop. Ça y est, l'observatoire a localisé les âmes possédées pour nous. On peut déceler de la magie noire chez eux. Revenez me voir quand vous aurez besoin de nouvelles médicaments. Mais on va le faire combien de fois? On va le faire combien de fois? Parce que là, ça commence à faire beaucoup. On se barre, ils sont en train de se battre derrière. Non, nous, on s'en fout, on s'en va. Nous, c'est comme ça, la vie. Mais tu te déplaces. C'était affreux, je vous remercie de m'avoir sauvé. Je pars à la rencontre de Beric, le prieur, immédiatement. Allez.
Allez, dépêche-toi. Me voilà de nouveau moi-même, merci, je me sentais vraiment bizarre sous l'emprise du sorcier. Je pouvais ressentir la moindre de ses pensées. Il sait que vous avez commencé à rompre sa malédiction, et je pense qu'il vous réserve une terrible vengeance, faites attention à vous. Ok, très très bien. Je suis libre grâce à vous. Je ne sais pas comment vous remercier, je ne voulais vraiment pas devenir un démon. C'est à moi de prendre le relais maintenant et d'aider ces gens qui viennent d'être libérés de la terrible malédiction. Je vais faire un sermon qui leur insufflera la foi et la sagesse dont ils ont besoin pour résister aux assauts futurs du sorcier. Je devrais assister au sermon de Beric, le prieur. Je pourrais voir si les Sims que j'ai libérés du sort du sorcier vont bien. Tu dois aussi faire un grog mystique et préparer deux sorts. Ah non, mais c'est bon. Ouais, tu vas épuiser de l'eau, mais je suis sûre que l'eau elle est encore bénie ou je sais pas quoi, donc... Trois seaux d'eau. Ah non, c'est bon, on va pouvoir faire le grog mystique. Assister au sermon. Ouais. Pour l'instant, on va voir Beric. Beric, il doit faire... Faire un sermon sur la façon de protéger son esprit contre les êtres maléfiques. Lui, il va bien, il doit payer ses impôts et étudier l'observateur pendant 2 heures. Tu vas payer tes impôts. Tu vas étudier l'observateur. Et tu vas faire un sermon. Oui, que ça se fait. Et toi, viens là. Ah ouais, déjà ? Tu es là, Mélisandre ? Mais elle dort, c'était... Mais quel con ! Mais... Ah non, mais franchement... non, j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir pour vous aider. Écoutez ma voix, vous ne risquez rien contre la magie noire qui vous attaque. Elle est en paix et répondez à la bonne parole. Bah voilà, meuf, t'as tout loupé, quoi. Oh, il est là. Assez ! Je ne supporte plus de vous voir contrecarrer mes desseins. Il est temps pour vous. Il est temps de vous faire comprendre le sens de mon pouvoir. Regardez-les, tous ces Sims que vous avez libérés de mon sort. Vous ne pourrez rien faire pour les empêcher de tomber à nouveau sous ma coupe. Mélisandre, la sorcière, vous devez faire quelque chose. Utilisez votre magie pour l'arrêter. Jetez un sort. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Exorciser l'infâme Malus. Ok, on va exorciser l'infâme Malus. Ah, il est là! Ah, mais c'était... C'était le mec pas beau que j'ai vu tout à l'heure. C'était le mentiant, je sais pas quoi. Ah, votre magie pathétique ne fera que précipiter votre chute. Et vous, mon bon prêtre, vous êtes à moi. Je vais vous anéantir. Il ne me reste plus qu'un seul espoir. Je vais concentrer toute l'énergie nécessaire pour pouvoir réciter la bénédiction sanctification spirituelle et prier pour qu'elle agisse efficacement sur l'infâme Malus. Tu dois donc venir la sanctification spirituelle. Waouh, c'est beau! Je suis libre! Libre! Voilà bien des années. J'étais ensorcelée par un démon qui m'emprisonnait dans mon propre corps. Ce démon est utilisé pour semer la peur et le chaos. Je vous serai à jamais redevable, merci. Du fond du cœur, merci. Je suis enfin libre! Bon, bah y a comme qui dirait qu'on a réussi la mission. Vas-y, étudie l'observateur. Oui, nous avons réussi, la caquette! Le sorcier maléfique. La situation était loin d'être idéale pour le peuple de Chabit, mais Beric, le prieur, et Mélisandre, la sorcière, n'avaient aucune intention de baisser les bras. Ils gardèrent la foi jusqu'au bout de et l'observateur leur montra le chemin de la victoire. Mieux encore, ces héros parvinrent à libérer le sorcier lui-même de son propre mal. La menace était enfin levée, et les héros avaient réussi à prouver que l'épée et le poison n'étaient pas toujours la solution au problème de Chabit. Et Beric a atteint le niveau 8 de la profession prêtre. Et Mélisandre est promue sorcière. Mais ça, on le savait déjà. Jack a atteint le niveau 7. Super. On n'a pas joué avec Jack. Faudra d'ailleurs qu'on rejoue avec lui. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bon, et bien c'est là-dessus que moi je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Rendez-vous samedi prochain pour la suite des aventures de Sims Medieval. Ou d'autres choses avec les Sims 4. Avec Crooks. Ou avec Housekeeper. Allez, salut.